un être humain depuis Sayyidouna Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire nous a pourtant enseigné que des individus, au Moyen-Orient, voire en Afrique, ont prétendu être investis d'une telle mission divine. Et si de nos jours, des musulmans guettent encore l'apparition du Mahdi, c'est parce que de nombreux exégètes l'avaient prédit. Le prophète lui-même en avait fait la confidence à ses compagnons. Al-Mahdi minna yurtamu bihi din kama futiha bina. Le Mahdi fait partie de nous, c'est par lui que la religion sera clôturée comme nous l'avons nous-mêmes ouverte. Le Mahdi attendu est déjà apparu et a laissé derrière lui une communauté adossée au culte sincère de Dieu. Une communauté d'hommes et de femmes, les partisans d'Allah, les laïens. Il salmodie sempiternellement la formule d'unicité de Dieu, la pureté de leur foi sera à jamais symbolisée par la blancheur immaculée de leurs atours. Adibo Dayala, répondez à l'appel du Seigneur.